Du sujet même de la gestion durable de nos forêts. Parce que nous reconnaissons, et tout le monde est conscient de cela, et il y a une forte utilisation des plantes médicinales en Côte d'Ivoire. Mais nous avons conscience qu'il n'y a pas encore une bonne organisation bien formalisée de l'exploitation de ces plantes-là qui pourrait éviter qu'elles disparaissent. À l'occasion de Africa Santé Expo, le panel au niveau de Botanica a été instauré ce jour pour que justement nous puissions présenter au niveau de la régénération forestière ce qui est déjà fait, parce qu'il y a déjà des actions qui sont menées. Parce que le fait déjà de prendre un code forestier permet de réglementer l'exploitation de toutes les plantes d'une manière générale. Il ressort de ce panel que nous avons fait aujourd'hui qu'il y a lieu que le ministère des Forêts travaille de façon plus étroite avec le Centre national de floristique, que nous puissions créer des parcelles de plantes médicinales. Nous allons le faire ce dimanche 10 février déjà au jardin botanique avec les acteurs de la médecine traditionnelle, et puis de pouvoir travailler avec le ministère de l'Environnement pour que nous puissions développer un plan d'action dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, pour pouvoir donc mener des actions effectivement conservées. Forêt. C'est une première, c'est quelque chose qui est très intéressant et très important de souligner, parce qu'aujourd'hui, avec les eaux forêts, en tant que naturothérapeute, que travailleur praticien que je suis, les eaux forêts sont les bienvenues, parce qu'il faut préserver ce travail que nous sommes en train de faire, préserver la biodiversité, alors que notre action, nos champs, c'est dans la biodiversité que nous récoltons tout ce que nous avons pour les soins. Nous demandons encore plus d'action au niveau des eaux forêts. Et là, dans ces recommandations, j'allais dire que notre souhait, nous les naturothérapeutes, c'est que qu'on peut s'appuyer aussi sur les ONG pour pouvoir subvenir à certains besoins des eaux forêts, surtout pour la préservation de certaines espèces. En fait, donc, nous sommes toujours en attente de la promulgation du nouveau code forestier, puisque dans le nouveau code forestier, tous les acteurs, les parties prenantes seront représentées dans le sens où nous allons faire donc des inventaires de la flore et de la faune. Au niveau des inventaires de la flore, le Centre national de floristique est outillé, puisque nous avons des experts qui ont été commis, qui ont l'expertise d'aller dans nos forêts pour faire un inventaire régulier. Nous avons aussi ce pan-là de nos activités qui concerne l'agroforesterie, puisque nous mobilisons tous les acteurs maintenant au niveau des paysans de faire, en plus des cultures, de faire des reboisements intra-paysages culturels. Donc ce serait important en fait pour nous de pouvoir nous inclure dans ce dispositif-là pour aider, accompagner les eaux et forêts et les paysans à planter des plantes médicinales au sein de leurs plantations. Thank you.